Nous sommes de retour à Lagos, c'est toujours la mi-temps bien sûr de ce Nigeria à Cameroun. Les Nigérians sont menés, pas à la surprise générale mais presque, face au Cameroun de Buzyn. Et nous allons revoir les meilleurs moments avec des Camerounais qui ouvrent le score, ce à la 25e minute sur le centre du pied gauche de Pierre Ouomé. Un but inscrit par Samuel Eto'o. Ouais, on revoit ce centre, deux, dont Okpara qui manque leur dégagement, et maintenant Patrick Mboma qui fait frapper entre les jambes de Choromnou. À la 29e minute, c'est lui qui double le score, lui qui avait déjà inscrit 3 buts dans cette compétition. Le voici à 4 buts à une longueur de Sean Bartlett entre les jambes de Ike Choromnou. Une nouvelle occasion, et ce grâce à la tête de Yenemi qui s'écrase sur le poteau de Choromnou. Derrière, Eto'o ne peut que reprendre ce ballon difficilement, frappe écrasée. Et le gardien peut récupérer. C'est un ballon que Patrick Mboma n'aurait pas mis mieux, sauf à le mettre quelques centimètres plus à droite. Et là, ça va, on va voir le but nigérien avec une bonne frappe croisée. Ah, Alioum est quand même pas exempt de tout reproche sur cette frappe quand même qui... Ah, il y a peut-être eu un rebond. Beaucoup participé sur le côté gauche pour délivrer les centres que la qualité de son pied gauche lui permet de faire. Song qui dégage, c'est revenu dans les pieds de Okocha, but Didier Okocha, 2 buts partout, il réveille les gosses, il réveille tout le monde, quelle frappe, on savait qu'il était capable de réaliser de tels exploits, il l'a prouvé en France, avec notamment son premier but marqué à Bordeaux, lors de sa première titularisation avec le Paris Saint-Germain l'an dernier. Quelle frappe! Ouais, si Alioum était un peu responsable sur le premier, c'est une frappe en drop, en demi-volée, qui vient percuter le dessous de la barre dans la lucarne. Un but extraordinaire. C'était le tir au but. Il a déjà fait quelques... Ah, ça y est, nous voici sur le tir au but. Un pavé. On n'a pas vu qui allait frapper. Voilà, c'est parti pour le premier tireur nigérian et c'est dans le but. C'est JJ Okocha, bien vu. Et Alioum était parti du bon côté. Ouais, il n'était pas loin de ce ballon Alioum. Ils seront peut-être futurs partenaires au PSG si les contacts qui ont été noués entre la jambe d'Alioum et le PSG se concrétisent. Alors qui côté Camerounais pour tenter d'égaliser? Et vous allez entendre le public nigérian qui va se signaler. Choromnou lui va tenter de la jouer à l'intimidation. Patrick Mboma. Oui, je crois. Mboma. Alors on a une certitude quand même dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien Sean Bartlett qui terminera meilleur buteur avec 5 buts devant Patrick Mboma. Allez, Patrick Mboma. Et là non plus, Choromnou n'est pas très loin, mais c'est tellement bien frappé au ras du poteau que c'est quasiment inarrêtable. On va essayer de participer un peu en essayant d'annoncer quel côté le tireur va frapper. Ah, vous voulez prendre des paris donc? J'ai annoncé à gauche des gardiens français. C'est très bien, mais c'est assez facile pour un gaucher. Oui. Un partout. Vous dites ça parce que vous êtes gaucher, vous tirez toujours par là. Non, non. Il y a une caméra derrière le... Ikpeba ou Okpara? Pas du mal. Hein. À droite ou derrière? Et voilà, c'est marqué en tout cas. C'est bien. C'est Godin Okpara. Ça fait 2-1. Compte tenu de la qualité des joueurs, ça va pas se terminer à 2-1. Hein. Ça va être du 5-4 ou du 6-5. En force au centre. C'est pas ça? C'est pas en force au centre le prochain? En tout cas, le Camerounais, il prend tout son temps pour arriver. Qui touche au ballon. Et c'est... S'il lui met un carton et qu'il discute et qu'il l'expulse, il y a un problème là. Hein. C'est Pierre Ouomé. Ouomé pour essayer de ramener le score à 3 partout. Donc comme c'est un gaucher, vous allez nous dire, à gauche du gardien.
Ouais, je pense. Ouais. Allez, non, je vais vous dire à droite. En force au milieu du but. Non. À droite du gardien. Allez, Pierre Womet. Et voilà, c'était à droite du gardien et cela fait deux partout. Au milieu du but. On va le revoir. Non. On va le revoir. Regardez bien. C'est plein milieu du but. Mais c'est bien à côté du poteau. Tout à fait. De partout. Bien vu. Allez, on se concentre sur cette séance de tir au but. On en rigole, mais je peux vous dire que les tireurs, eux, ils sont concentrés dans leur match et dans cette séance de tir au but avec Canou. Qui tirait la langue en fin de match. Le joueur africain de l'année se doit de marquer. Il n'a pas mis le ballon sur le point de pénalty. Allez, pas trop devant. Voilà. Allez, Boukhar Alioum. Canou face à lui. Monsieur Dami siffle. Canou. Arrêt du gardien! Arrêt de Boukhar Alioum. Canou manque son tir au but, le meilleur joueur africain de l'année. Voit son tir stoppé par le gardien. Et on en reste à deux partout, mais les Nigérians ont un tir de plus. Le Cameroun peut prendre un avantage. Et qui va avoir ce redoutable honneur? Et Chorondou qui continue à attendre les tireurs. Il joue à l'intimidation, il essaye de perturber la préparation du joueur. Mais on prend son temps pour venir à Canou. Oh, quelle déception. Pour venir déjà du rond central, ça fait un peu de route. Pour Canou. Jérémy? Oui. Non. Oui. Jérémy. Excellent pendant toute la rencontre. Le joueur du Real de Madrid face à Ike Çorumlu qui doit réaliser l'arrêt pour relancer son équipe, sinon ça fait 3-2. Et c'est en force au centre, cette fois-ci 3-2 pour le Cameroun. On a l'impression qu'il a des crampes quand on le voit repartir. Il a mis toute sa force. Il a de la force. Le Cameroun mène 3-2 dans cette séance de tir au but. Ah, le Nigeria n'a plus le droit à l'erreur sur les deux derniers tirs de la série. Tijani Babangida. C'est dedans ou pas? Il ne sait pas, monsieur Dami ne sait pas. On ne sait pas, monsieur Dami. Va-t-il? Non, il n'a pas accordé le but vu l'expression de Tijani Babangida. La barre transverse. Ah, c'est retombé dedans. Voyons, l'angle. Oh, c'est dedans. C'est dedans, je c'est crois dedans. Aussi. Mais est-ce qu'il a... Elle est dedans, cette frappe. C'est, je pense, le même tir au but, rappelez-vous, entre Lens et Marseille, en Coupe de la Ligue la saison dernière. À quand? Alors, est-il accordé ou pas, monsieur Dami? A-t-il accordé la frappe? Bon, on va le savoir à l'issue de ce tir. Oui, mais Tomo, s'il marque, je crois, ou Marc-Vivien Fauré. Marc-Vivien Fauré. Et c'est à côté! C'est à côté, Marc-Vivien Fauré qui place le tir au but à côté du but. Alors que le gardien était parti de l'autre côté, à contre-pied. Le seul problème, c'est qu'on ne sait toujours pas si le but a été accordé à Babangida. Parce que sinon, ça fait 3-3. Si le but a été accordé à Babangida, effectivement, ça fait 3-3. On n'a pas... Polissé pour le dernier tireur. Pas vu bouger le juge de ligne. Oui, il n'a rien dit. Qui lui est bien placé. Alors qu'il nous a bien semblé que le ballon ait franchi la ligne. Sunday Olissé. Face à Alioum. Olissé. Et c'est bien frappé de la part du capitaine nigérian. Et on peut penser que le réalisateur est comme nous, hein, puisqu'il ne nous met plus les indications. Ah, il prend bien à contre-pied le gardien.
Penalty bien frappé, en attendant un petit peu le départ du gardien avant de poser le ballon. Mais là, on va voir de suite aussi s'il a été accordé ou pas, parce que si le Camerounais manque, c'est fini. S'il marque ou s'il manque, on va voir. Le dernier tireur camerounais, après Mboma, Womé, Jérémy et Marc Vivien Foé. S'il marque et qu'il saute de joie, ça veut dire que le but n'a pas été accordé. Et il n'a pas été accordé. Il n'a pas été accordé à Baba Anguida. Si... C'est sûr que le réalisateur a davantage d'informations que nous. Normalement, oui. Rigobert Song, alors, le capitaine camerounais. Rigobert Song a la balle de match. Balle de match. Rigobert Song. On va attendre qu'il la mette et voir sa réaction. C'est dedans et c'est fini. Le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Décidément, le Nigeria ne parviendra jamais à battre le Cameroun en finale. Ça avait été le cas en 84 et 88. Les Camerounais s'étaient déjà imposés pour la troisième fois de son histoire. Le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique des Nations par cette séance de tir au but après un score de 2-2 au terme des 120 minutes. Une victoire 4-2 au tir au but grâce à Rigobert Song. Ouais, mais on va quand même remettre encore sur l'arbitrage, sur le...